Oui, allô. C'est moi. Ah, tu n'as pas vu qui t'appelle. C'est Manon. Quel Manon? C'est ta grand-mère. Toi, tu connais plus Manon quand pèse quoi? Moi, je ne comprends pas les garçons. Quand c'est les fêtes là, ils rentrent en brousse. C'est pas ça les copines. On s'est gêné jusqu'à quand les fêtes, tu pas rentrer en brousse. Mais les copines là, tout nous, hein. Quand comme ça, tu veux faire plaisir à un gars, tu es chéri, pardon, rends-moi un petit service. Et puis, tu dis, rendez-vous. Tu vas au rendez-vous. Et puis, tu dis, comme ça, l'oreille, chéri, voilà ce que j'ai pu avoir. Faut commencer à pleurer. On t'a annoncé comme ça la mort. Je vous jure, voilà ce que j'ai pu avoir. Pu avoir. Un verbe conjugué au passé composé. Parce qu'il y a rien dedans. Bon, les copines, comme on ne sait jamais. Ils ont pu avoir, là, on va savoir. Okay? Bon, je dis, oh, est-ce que je t'ai demandé là? T'as oublié? Donc, toi, tu peux venir quoi? Toi-même, si tu veux rester, mais est-ce que je t'ai demandé là quand arriver? Bon, ton prix à voir, c'est combien? Attends, demandez mes copines d'abord. Les copines, on va lui demander, il dit qu'il a pu avoir ce qu'il a pu avoir. C'est pas ça? Bon, toi, ton prix à voir, c'est combien? 50 000. Les copines, on fait quoi? On prend? On prend? Est-ce que ça peut acheter quelque chose? On prend ou on prend pas? Bon, tout le monde, non, on veut pas. On veut pas. Bon, tu as entendu à ta nuque là, non? Eh, j'ai dit, tu as mis combien de sous? 75 000. Les copines, on fait pas. On prend? On prend? Ça peut acheter string? Donc, on fait quoi? On prend pas, non? On prend pas. Ok, je repasse. C'est bon, on sait jamais. Combien? 100 000. On prend ou on prend pas? On prend pas? Je sais qui me tuer dans le niveau là. Il a vu mes sorciers, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et moi, je prends les 100 000 clients. Vous serez traînés par le prophète sur le crasso. On va s'en brûler. Quand vous devenez à l'église pour voir les maris, parce qu'il y a les hommes, les sorciers, même les amis sont les sorciers ou les sorcières. Venez à l'église de moi, là, j'ai été délivré par le pasteur. Quand il était pasteur, les prophètes, pas le prophète des nations. Prophète international. Ovation pour le prophète. Merci. Bonsoir. Le prophète Kassa. C'est un petit blanc aussi qui est natif, parle mal à papa. Bonsoir, le prophète Kassa. C'est mignon des. On dirait bon pecto. Ovation pour lui. Ça, là, si tu m'as marié, la mal à elle, elle va être ta femme. Au nom de Dieu, je suis ça là. Elle est parce qu'elle est montrée. Et on m'appelle encore Adam. Oui, allô? Et la sorcière, ma copine. Félix, on dit quoi? Eh Dieu, mais toi, je me suis partout d'un. On m'a invité seulement à 10 voilà, Dieu me suit. C'est qui m'a invité? Ma chère, le prophète Joël. Et il s'appelle Jojo, hein. C'est quand il était vaillant, on l'appelait Jojo. Mais il est devenu prophète Castro. Hein? Donc quand tu viens à Tivoulaké, c'est même pas caché. Dès que tu rentres dans la ville, regarde à ta gauche. Voilà. Et les moins, toi, tu es un garçon, hein. Tu connais le coin où tu as mangé la fumée, là. C'est là. Va vous rentrer. Si, là, tu sais qu'elle a fait ça. Qui est là? C'est moi qui est là. Fini la copine. Oh, il ne peut pas me chercher quand même. Fini la copine. Ma soeur. Félicien. Mon adé. Mais qu'est-ce?
Si tu es juge, je t'ai pas reconnu. Tu peux pas me reconnaître. Je suis devenu basketteuse. Je t'ai même pas reconnu. C'est que tu n'es pas reconnaissante. On dit quoi? Ils n'ont rien dit. Oh. S'ils m'ont dit, ils vont te dire. Sinon, depuis là, ils n'ont rien dit. Ah, les copines, ils avaient vu de. Ouais, tu calmes. C'est pas ça là? C'est un moustique là. Attends, non, ne couche pas. C'est quoi ça là? Arrête. C'est ça. Si j'aime pas ça, quand tu vois. Voilà. C'est pas clair. Quoi? Parce que quand je te laissais là, ici là, il n'y avait rien. Quand tu vois André Bâton. Regarde comment c'est devenu. Toi, André, tu te brisais plus magie. Hein. Pourquoi tu es devenu comme ça? Hein? Même si on dit qu'il y a des copines qui font ça, là, moi, ils font ça. Les copines, je vous dis la vérité. Hein. Moi-même, je n'ai pas vu ma grand-mère. Oh, ma grand-mère, elle a des fesses. Maman a pris ses fesses. Donc moi là, j'ai pris les fesses de ma mère. C'est que j'ai les fesses de ma grand-mère. Elle a beaucoup de fesses façon. Je fais calcul de... On dit quoi? Il n'a rien dit. Ça va. J'ai pas un joli de... Mais et l'ampoule? Oui, mais c'est ça qui... Oh, il n'a pas fait ça. Ma copine va faire des trucs. Oh, oh. Ça me donne la chaîne de poule. Oh, tu m'excites à moi. Oh, c'est... Oui. Oh, en tout cas, tu as bien fait de venir. De... Hein? Parce que les filles de Divon ont gardé ton nom. Les bêtises là. Hein? Elles ont gardé ton nom. De... Tous les bêtises aussi là. Hein? Je suis tombé. De... Est-ce que voilà les filles que son gars a répudié? Hein? Parce qu'elle ne s'est pas fait la cuisine. Hein? Elle ne s'est pas fait l'intégrité. Mais moi, je ne sais même pas. Je ne sais même pas de quoi il s'agit. Copine. Mais qu'est-ce qui s'est passé exactement? Copine. Hein? En tout cas, moi-même, je te cherchais pour te dire la bébé. La bébé, c'est quoi encore la copine? La vraie vérité. Tu connais mon gars chinois là? Il y a un week-end. Non. Ça, c'est l'ancien là. Le nouveau, il s'appelle Rognon. Tu l'as pas connu? Il faut arrêter de nous faire. D'accord. Il faut arrêter de l'appareil. C'est bon. Faut arrêter de s'en aller. Faut arrêter de nous filmer. Oh, vous avez filmé les gens. Ta nuque là. Tu ne sais pas. Mon ami, c'est bon. Pourquoi vous êtes comme ça, moi? Non, ça se fait pas. Ça se fait pas. Les gens font là. Toi, tu viens filmer. Ça, il est officiel, on a été invité. Voilà. Mais toi, tu viens ta nuque, c'est narine. Laisse-moi. On a des problèmes pour respirer. La voix. Mmh. Depuis de là, même on a chaud. Il prend tout l'air là. C'est une narine de quelqu'un qui est là. Philippe, pas capable de faire. J'ai dit, oh. C'est pas ton gars, Yon Ken là. Non, il s'appelle Yon. Il est un peu plus court que l'autre là. Aïe, toi, le chinois qui est court. Ah, c'est eux qui ont créé couture là. Copine. Copine. Voilà un monsieur. Lui et moi, on s'est connu. En tout cas, il me donnait l'argent. Quand on dit que quelqu'un donne l'argent en femme, là, ah, chinois donne des. Ce monsieur, il me donnait l'argent. Il me gâtait. Mais il ne me touche pas avec les femmes. Il ne me touche pas. On a fait 2 ans ensemble, copine. Il me donne l'argent. Quelqu'un qui ne te touche pas, tu vas voir, je prends l'argent et puis je gère derrière lui propre. Copine quoi? C'est ainsi qu'un jour, il m'a invité. Quand il m'a invité, après. Quand tes collègues sont sur scène, tu ne montes pas. Tu n'as pas pris la scène, toi. Excusez. C'est une parenthèse. Il faut qu'on leur donne des petites leçons de scène. C'est comme si je te disais. Un jour comme ça, c'était un samedi. Il dit, ah, qu'on va aller à la plage. Si, copine, quelqu'un qui t'a jamais touché. Et puis aujourd'hui, il te dit qu'on va aller à la plage. Ma copine ne me suis pas négligé de... Au pire le jour là, j'ai porté mon signe pour rose là. Fallait me dire autre chose. Tu as quelle couleur? C'était pas le rose. Copine. C'est ainsi que nous partâmes à Crêpe à Sable. Hein? Nous partîmes. Hein? C'est que si on s'est levé, puis on est parti. Mais on s'est ramassé, puis on est parti nous deux. Copine. Arrivé là-bas là. Vers le soir, on devait manger. Tu connais les hommes?
quand ils ont besoin de quelque chose là, c'est là la chose qui devient somnolent. Copine. J'ai dit, le premier morceau de poulet qu'il a goûté, net, il a commencé à somnoler. Jean, il est trop fatigué, allons dormir. J'ai dit, moi-même, il y a longtemps, il était guéri. Copine. On est parti dans la chambre d'hôtel. Copine, quoi. Arrivé là-bas, il voulait faire comme les planchots. Copine, là. Il faut qu'on marche. Elles sont romantiques. C'est que je me suis mise devant la glace comme ça. Et puis j'enlève ma camisole. Et puis je jette ça dans le rien. Quand elle avait me soutenir comme ça. C'était samedi soir, il y a pas de. Oh, puis au moment où il y avait un cinéma comme ça là, quand le monsieur était derrière moi, tout nu, je n'ai pas remarqué. Oh, puis là, j'ai vu quelque chose, j'ai dit c'est quoi ça? Copine, je suis revenu à ma place. Ce que j'ai vu dans le miroir, j'ai dit non, ça, ça peut pas exister. Copine, c'est ainsi que je me suis retourné doucement, j'ai regardé derrière. Ce que j'ai vu là, je ne sais pas comment on appelle ça en bon français. Mais voilà, il was a bazooka. Copine. Quand j'ai vu ça, mon cœur coupé tout. Il y a un gars qui dit, Félicien, si tu es marié, donc la fenêtre n'a pas ouverte, il faut sauter, tu vas partir d'elle. Il y a un autre gars qui dit, tu as trop bouffé son argent, il faut rester. Copine. Bête que je suis resté. Copine. Yeah. Le monsieur là, moi je suis que dans son pays en Chine là, c'est un sorcier. Nous le dit, je l'envoie, il va le délivrer. Comme si ce que j'ai vu, ça ne suffit pas. Quand il a été dans la lumière, dans le noir là, je n'ai rien compris. Et puis je tombe tout ce qui est sorti de ma bouche, c'est ma copine. Il y a un moment où on me tapait les joues et c'est pas ce qui se passe. Quand j'ai ouvert les yeux, j'étais en réanimation. Le monsieur est le bonheur. Il va mourir, ça va mourir la grand-mère. Oh, arrête de pleurer, Félicia. 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 Mamie Chou. Il ne faut pas m'appeler Mamie Chou. Hein. C'est comme ça qu'il m'a appelé, puis il a mélangé ma vie. Hein. Mais Félicia. Il allait te tuer. Mais attends, tu n'as pas appris à conjuguer quoi. Il m'a tué, tu dis il allait. Pourquoi tu me mets à aller alors qu'il a? Il m'a tué. Oh, arrête de pleurer. Non, tu ne peux pas comprendre. Ah, c'est bon, arrête de pleurer. J'ai trop souffri dans ma vie. Ah. Toi aussi. Il y a du monde comme ça qui dit choses. On dit j'ai trop souffert. Hein? On dit j'ai trop souffert. C'est pas que tu n'étais pas là-bas que tu parles comme ça. Souffrir au souffrir au. C'est que aussi au moment où on portait, je ne me sentais pas bien. J'ai souffri. C'est de ça que je parle là. Bon, Félicien. Je m'apprêtais à sortir quand tu es arrivé. Attends d'abord. Donc au vu de tout ça là, je me suis dit, ah, comme le gars il a dérangé ma vie, et qu'il y a quelqu'un qui me doit de l'argent, et la personne c'est toi, c'est après ça que je suis venu réclamer mon argent. Voilà les nouvelles. Attends, Félicia. Hein? Je ne suis plus ta soeur. Moi, je ne comprends pas le français, quoi. Donne-moi mon argent. Je ne suis plus ta soeur. Où est le rapport? Il y a nuance. En tout cas, il y a nuance. Il faut donner mon argent. Il est passé. Félicia, c'est moi des. Je. Et puis quoi? C'est moi, mon accent personne. Non, là, pardon, faut arrêter ça. Il faut donner mon argent. Il est parti. Pardon. Félicia, hein? Quand tu es arrivé ici, là, hein? Tu sentais la charogne. Ça veut dire quoi? Et tu avais les 3G. Moi, j'avais 3G. Oui. Et 3G, là, c'est quoi? 1. Tu étais gawaz. 2. Menthe. 3. Tu es galeuse. Donc. Puis ça, c'est moi, ce. Elle est tout petit de parler comme ça d'argent. Ma chère, ce que tu cites là, ça, c'était avant. Maintenant, là, on a la même chose. Tu
tu sais pas. Le Dieu regarde bien. Ça, c'est avant. Maintenant, là, tu as maison, il y a maison. Tu as roi, tu as gars. Tout ce que tu as là, arrête ça. Ah. Ok, Félix, c'est l'argent. Hein? J'ai dit, et... c'est pas bien grave. C'est un grave bien. Moi là, je ne suis pas une fidèle fille. Ça se voit. Quand tu vas mourir, tu vas te tuer. Mais mes yeux, là, c'est gâté. Voilà, pardon, il faut pas effrayer les gens. Il faut donner l'argent à partir. J'ai dit, moi là, que, c'est pas pour les 300 frères et filles d'Abidjan. J'ai un gars qui est à l'aéroport. J'allais le voir, il me donnait 300 000. J'ai un autre qui est aux impôts. Il me donne 300 000, il y a 600 000. Puis j'ai un autre qui est à la douane. Lui, il m'a promis 600 000. Il a fait 1 million 100. Toi, tu peux nous faire quoi? Et il a dit ton argent, tu n'es rien. Voilà. Tu as dit quoi? Tu as des gars. Toi, tu trouves que c'est des gars. Ma copine, je te dis la vérité, c'est que tu ne sais pas. Ce n'est pas des gars que tu as des clients. Parce qu'une femme là, son corps se respecte. Ce n'est pas pour tout le monde. Maintenant, si tu as tout cela, lui que tu as marié, lui va faire quoi? C'est pour comme ça. Non, c'est pour comme ça qu'il fait depuis les hommes ne nous respectent pas là. Je ne comprends pas. Il fait ça avant. Ça avant, les hommes ne nous respectaient pas, mais toi. Écoute-moi bien. On est venu. J'ai dit, écoute-moi bien. Où tu es là, là. On sent maintenant même chose avec les garçons. Ça, c'est à Abidjan, on dit ça. Il faut venir à Divo ici, t'as un petit capement. Tu as trouvé une vieille série, tu as dit non, tu as même chose avec toi. Si tu n'as pas bouté tes petits dents, ils vont arracher ça dans ta bouche là-bas. J'ai dit ça, là. Ton magasin qui est dans ta bouche, tout ça, tout ce que tu les vas arracher. Félicia, il dit ça, ça va arriver chez lui. Ça ne peut jamais arriver. Ça va, ça, en France, les femmes se marient entre elles. Ça, c'est là-bas. Et puis, les garçons se marient entre eux. Mais maintenant, tu es vaincu, Je te jure, je vais appeler l'homme de Dieu, il va te délivrer. Quel homme de Dieu? Je vais l'appeler l'homme de Dieu, il va te délivrer. C'est quoi ça? C'est toi qui es sorcière. Et puis, si ça devait arriver, même bon, je n'y pensais même pas, c'est même pas dans mon programme. Et nous, de là, qui va être garçon? J'ai entendu sur le bruit qui t'a pas plu. J'ai dit. J'ai dit. Oui. Je descends d'abord. Moi-même, je descends aussi. J'ai dit. T'es moulé là. Il faut me parler. Qui va être garçon? Si, on a été. Femme là. Et puis mari. Qui va être garçon? C'est moi. Attends, ça fait deux fois que je te demande qui va être garçon? C'est moi. Ah, mais bon, je suis en train de parler. Il y a un qui a un garçon. Non, faut parler là, Yori. Attends, mais regarde-moi, il fait gros bois. Non, il n'était pas qui a un garçon. Réponds à ma question. Je te fais quelque chose. Qui va un garçon? Qui va un garçon? Qui va un garçon? Pour ma soeur, pas qu'il a parlé. Pour ma soeur, moi, j'aime pas ce que tu fais là-bas. Arrête-toi. Vous marchez comme garçon. On nous dit que vous faites la petite. Viens, t'es ici. Toi, enfant de quelqu'un, 9 mois, toi, t'es gâté comme ça. Vous marchez comme garçon. Ramasse un truc que tu marches là-bas. Allons. Ça, il a couru comme garçon. Réveille. Bonsoir, mesdames et messieurs. On applaudit pour vous. Bonne campagne, Félicia. On a voulu apporter cette note de gaieté pour accompagner notre pasteur, notre prophète. Voilà. Garçon, il va se lever. Il va se lever. C'est notre maître à nous. Voilà. Partout où on passe, il prie pour nous. Voilà. Et c'est monsieur, on va se lever tous. On se lève tous. On se lève tous. Tous, mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs, on se lève tous. On va se lever. Que
Soyez bénis cette nuit au nom de Jésus. Amen. Thank you.
qui va donner. Il est quelqu'un qui va donner.